Je vous montre toute la vie de mon escargot géant. Alors lui là, c'est Jean-Bave. Il y a quelques mois, il ressemblait à ça, mais aujourd'hui, il ressemble plutôt à ça. Donc ouais, il soulève de la fonte le bougle. D'ailleurs, il va bientôt fêter ses 1 an, et voilà sa vie aujourd'hui. Il a une piscine, une salle à manger, un jardin immense, et même un tronc et un caillou. Et voilà son emploi du temps. Alors le matin, il dort. Mais dès le midi, il dort aussi en fait. Par contre, l'après-midi, il... Oh purée, il dort encore. Et oui, JB est un animal principalement nocturne, donc c'est le soir que le bougle se réveille. Donc quand il ouvre les billes, c'est l'heure de la douche pour le rincer et bien le réveiller. Et d'ailleurs, Jean-Bave kiffe qu'on le caresse, hein. C'est un peu comme un chat, avec moins de poils et plus de bave quoi. Après sa douche, il est posé dans sa gamelle avec toute sa bouffe. D'ailleurs, il surkiffe les légumes d'air, donc sachez que JB est hyper healthy. Ensuite, il se balade dans sa villa avec piscine, il prend un bain, il check sous Père Noël voir s'il a un cadeau, il va en boîte de nuit, bref, il vit sa best life. Par contre, le petit gibouille est tout seul dans son grand terrarium, donc je me tâte à lui ramener un pote dans sa baraque. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait plusieurs variantes de Jean-Bave, comme l'escargot vert ou l'escargot de feu. Donc, est-ce que ça vous dirait qu'on lui ramène un petit poteau pour que les deux loustiques puissent s'éclater ensemble?